Et bonjour, petite bougeur de YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Craft the World, le petit jeu des nains, et on est le lendemain par rapport aux dernières sessions. On est le lendemain, donc il s'est passé une nuit tranquille, on n'a pas joué, évidemment. On reprend la partie là où on en était, il y a des gobelins qui sont apparus à droite. Je vais peut-être aller m'en occuper du coup, en vrai de vrai. Je vais peut-être aller m'occuper des gobelins. Déjà, je vais donner à bouffer aux minins, puisqu'il râle. Voilà. On en était à une phase où, globalement, je vais faire les recherches. Ça me permet de débloquer pas mal de technologies. Et pendant ce temps-là, on a la drill qui est quelque part par ici. Voilà. Tac. On va d'ailleurs donner un ordre pour l'enlever. Qui est en train de driller. En même temps, c'est une drilleuse. Ça porte bien son nom. Et ça va nous permettre d'aller vachement plus vite en fait, hein, pour péter le sous-sol. Hein. On a vu que quand même c'était plutôt efficace la drilleuse. On a une technologie qui s'est finie, très bien. On est en train de construire donc pas mal de blocs de pierre, parce qu'on va remplacer tous nos blocs au fur et à mesure par des blocs de pierre. Donc des blocs de pierre, ça s'appelle d'ailleurs ça. J'ai un doute certain. C'est des murs de pierre. Voilà, des murs de pierre, donc ils sont bien plus résistants, durabilité 9, là où nos planches étaient durabilité 5, donc c'est pas trop mal. Par contre, le confort est un peu plus bas, voilà, c'est un peu moins confortable, c'est pas grave. En soi, j'aimerais bien aller sur les murs de briques, je vous avoue, mais le problème des murs de briques, c'est que je ne connais pas la recette. Et même là, quand je réfléchis, je pense qu'il y a des briques dedans, il doit y avoir des briques, et peut-être de l'argile. Oh, je sais pas, faudra faire des tests. C'est normal que le compteur bouge plus. Ben, normalement tu vois plus le compteur surtout. Je vais te répondre parce que je ne sais pas si tu me vois. Moi sur mon retour de stream je vois ma tête, hein. Je vois pas le compteur. Hein. Donc je me suis permis de répondre quand même dans le chat, mais normalement non, moi mon retour de stream me montre bien ma tête et le jeu. Donc normalement on n'est pas censé avoir de soucis. Je ne sais pas, c'est bizarre. Bon, normalement, d'après mon retour de stream, c'est censé être bien. Hein. Je regarde sur Twitch, j'ai le bon visuel. Donc, je vais me permettre de continuer de jouer. Parce que je pense que c'est un problème plutôt qui vient du côté de la personne. Statue de dragon, très bien, c'est joli, c'est magnifique. Ici, il y a des trucs en plus. Qu'est-ce que c'est? Outil de tailleur de pierre, très bien. Et ici, des statues qui donnent du confort et qui, je crois, donnent du bonus aussi. Hein. Voilà, plus 5 aux mineurs. Faudrait peut-être que je fasse les statues à un moment donné. Je suis pas pressé, mais je pense qu'effectivement ça peut être pertinent. Je pense que ça peut être pertinent. Ça peut être pas mal. Là, les nains, ils vont où? Pourquoi vous êtes aussi nombreux? Ah, parce que vous allez récupérer tous les blocs qui traînent. Je vais vouloir faire un autre truc également. Je vais venir récupérer un ascenseur en plus. Parce qu'on a vu qu'on était un peu limité. En l'occurrence, dans notre descente, dans notre puits, l'ascenseur s'arrête ici. Donc, on va venir en installer un autre. Je pense que ça sera pas mal, ça aidera. Et coucou Limon, j'espère que tu vas bien ce matin, que tu te portes bien. J'allais dire, l'arbre, il fait plus de pommes, mais si, c'est bon, il fait des pommes. Je vais venir réinstaller la drilleuse, on va la relancer. Ça fait tellement plaisir d'avoir trouvé la drilleuse. Ça fait du bien, ça va aller tellement plus vite. Même si c'est pas encore la drilleuse améliorée, malheureusement, hein, on peut pas tout avoir. Elle est déjà bien plus puissante que les nains qui vont miner tout seul. La maladie a gagné du terrain et j'ai appris hier soir que toute ma famille a le Covid. Ah, ça c'est pas très bien. Et que ma mère l'avait à Noël et l'a refilé à tout le monde. Oh merde, je suis vraiment désolé pour toi. Bah j'espère que ça va s'arranger pour tout le monde, que vous allez vous en remettre sans trop de soucis, parce que je connais pas mal de personnes, enfin pas mal.
Je connais plusieurs personnes qui ont eu des formes, notamment des formes longues. Zonia, elle a une forme longue. J'espère que ça passera aussi bien que possible. Et la première personne, bien évidemment. Mais attends, mais elle le savait? Elle savait qu'elle avait le Covid ou elle savait pas qu'elle avait le Covid? Parce que si elle avait pas, si elle savait pas, bon, bah, elle savait pas, mais. Par contre, si effectivement elle savait qu'elle avait le Covid et elle a rien dit à personne, là par contre c'est un peu abusé de la part de ta mère. C'est un petit peu abusé. Oui, elle le savait, elle l'a pas dit. Ah! Alors, je ne porte pas trop de jugement, mais ta mère est un peu une conne quand même. Enfin, je dis ça, mais sans vouloir te manquer de respect. Mais c'est un peu abusé quand même. C'est pas comme s'il y avait genre beaucoup de morts par cette putain de maladie. Et qu'on avait un nouveau variant un peu abusé. Mais ok, d'accord, cool. 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 Mais sinon, moi ça va, du coup, toujours. Je suis presque désolé d'aller bien. J'espère encore une fois que ça va aller aussi bien que possible pour toi. Mais ça va, je le savais quand même quand je me suis fait battre par ça d'ailleurs. Ah! Ah, c'est sympa. Elle a l'air d'être vachement sympa. Elle a l'air d'être très gentille, ta maman. Ça donne envie. C'est faux. Ça donne pas envie. Ça donne pas du tout envie. Je vais commencer à mettre des toiles de défense. Je vais commencer à mettre des toiles de défense à gauche, à droite. Il y a les gobelins à droite, donc ils vont péter la défense s'il y en a qu'une. Donc pour l'instant, je vais pas en mettre. Pas à droite, je vais la mettre à gauche. Je vais la mettre à gauche. Et du coup, j'ai récupéré un ascenseur. J'ai récupéré un ascenseur qui est là. J'ai un ascenseur qui est là. Je vais vouloir un pont. Je vais vouloir un pont en pierre. Est-ce que j'ai un pont en pierre? Oui. Et on va vouloir beaucoup de ponts en pierre en vrai. On va vouloir beaucoup de ponts en pierre. Est-ce que je mets juste un pont pour mettre l'ascenseur? En vrai, oui. Ouais, en vrai, si, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. On va faire ça comme ça. Tac. D'ailleurs, on va faire ça comme ça. Voilà, parfait. Parfait. On va faire ça comme ça. On va aller mettre un pont par là-bas. Ah merde, ici, il pose problème. Parce qu'il peut pas faire de pont et du coup il veut pas passer et il y a un arbre à pommes d'or. Qu'est-ce que je fais avec l'arbre à pommes d'or? Parce que c'est vachement bien en fait un arbre à pommes d'or. C'est vachement bien. Est-ce que je le fais sauter? Ha. Ha. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je fais sauter l'arbre? J'ai un doute certain. J'ai un doute certain. Je pense que je vais faire sauter l'arbre. L'arbre à pommes d'or, en fait, ça fait spawn des pommes d'or de temps en temps. Et les pommes d'or, en fait, ont une très forte capacité à régénérer les nains. Donc c'est du bon gros heal gratos sans que j'ai besoin de faire de. Bah de. Comment ça s'appelle? J'ai trouvé. De potions ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, le truc, c'est que. Bah on en a plus beaucoup, ça spawn très peu maintenant. Donc en vrai, je pense que je vais l'enlever. Hein. En vrai, je pense que je vais l'enlever, je vais le couper, je vais enlever l'arbre. Je vais enlever l'arbre parce que je préfère miner et avancer dans le terrain. Je préfère miner et avancer dans le terrain. Donc on va se débrouiller sans. On va se débrouiller sans. On va faire sans. C'est bien, hein, mais là, pour le coup, tant pis. Tant pis. Si ça se limite à ça, quelques médicaments et c'est réglé en quelques jours. Pour l'instant, ça va, j'ai juste une toux et un rhume et un peu mal à la gorge. Ok. Bah, j'espère que ça ira. J'espère que ça ira. Encore une fois, je connais pas mal de gens, mine de rien, qui ont eu des soucis un peu plus graves avec ça. Donc, j'espère que toi, ça se passera aussi bien que possible. Ça sera avec le moins de conséquences possible. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Vous pouvez casser, voilà, merci. Venez poser le sol. Allez, on se motive. Parce que sinon, la drilleuse peut pas avancer. Donc, hein. Vous êtes sympa, mais vous bougez le fion, hein. Voilà. Parfait. Allez, on se bouge. On se bouge, on se bouge. Bonjour. Mon chaton. On se fait attaquer, au fait. Je suis pas du tout en train de regarder. Oh putain de merde. On se fait attaquer, on se fait attaquer. Venez défendre, les gars. Venez défendre. Non, parce que depuis tout à l'heure, je m'occupe de la mine en mode tranquille, mais l'attaque. 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 Et ils sont en train de péter les blocs, hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là.
C'est le sbul. C'est le sbul. Allez les gars, on se défend, on se défend, on se défend. Vous tuez tout ça. On y croit, on y croit. Vous avez tué des tyrannoïs, c'est bien. Tuez des tyrannoïs. Les tyrannoïs, il faut les buter. Hein. Les tyrannoïs, c'est ce qui apporte des pièces. On a besoin de les tuer. C'est absolument nécessaire de les tuer. S'il y a un truc à tuer, c'est les tyrannoïs, quoi. Ma tablette est connectée à ton LED depuis hier. Ah bon, avec ça? Mais coucou, Stigmate, j'espère que tu vas bien. Eh hey, merde, ils sont passés. Ils sont passés, ils sont passés. Ils attaquent mes. Ils attaquent mes forges. Ils attaquent mes forges. Défendez les forges, les gars, en fait. J'ai pas envie de les perdre. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Allez, on élimine tout ça. On élimine tout ça. En vrai, vous vous êtes bien débrouillé. Je crois que c'est le dernier. Je sais pas si c'est le dernier. Il y en a peut-être un qui a survécu quelque part. Ah, peut-être en bas. Non, même pas. Bah, je sais pas, écoutez. En tout cas, nous avons survécu. Voilà, c'est ce qui compte. Nous avons survécu. Pourquoi pas. Et on va commencer à remplacer les blocs. Hein. Construire un mur de pierre. Oui, construire un mur de pierre. Je remplace pas les blocs au fond. C'est pas nécessaire. En vrai de vrai, c'est pas nécessaire. Parce que c'est des blocs un peu... on s'en fout, quoi, en fait. Ce qu'il y a au fond, on en a un peu rien à péter. Voilà, récupérer les choses qui traînent. En plus, c'est des blocs renforcés maintenant, parce que du coup, ce sont des blocs de pierre. Et les blocs de pierre sont beaucoup plus solides. Je peux même remplacer maintenant. Je peux commencer à remplacer. Je peux commencer à remplacer assez allègrement tout ça. Tac. Renforcer la maison. Eh ben, c'est en cours, mon cher. C'est en cours. C'est en cours. Voilà, tac. On va venir remplacer les murs. Comme ça, on aura déjà une base un peu plus solide au sol. Ce qui va faire que les ennemis vont mettre plus de temps à péter les blocs lors des vagues d'assaut. Ce qui est bien. On va pas se mentir, c'est plutôt pas mal. Là, par contre, ça, je veux pas. Voilà. Moi, je veux des blocs solides. Hein. Je veux des blocs solides. Pour l'instant, je vais surtout faire le bas, vu qu'on n'a pas forcément une quantité astronomique de blocs de pierre. Je vais pas me précipiter. J'en mets un petit peu, pas plus. Un petit peu, pas plus. Ok. Et puis bah du coup on peut se relancer. On a un paquet qui vient de tomber. Tac. Et le mage qui vient de tout renvoyer dans le stock direct. Ça c'est un bon mage ça. Ça c'est un bon mage ça. Il est efficace. Il est efficace. Comment vas-tu du coup Castigmate? J'espère que tu vas bien. Que tu te portes bien. Pourquoi est-ce que vous dormez au sol bande de cons? Sérieusement? Pourquoi vous dormez au sol? Vous avez des lits? Vous êtes stupide ou... Ça sert à quoi les lits? Est-ce que vous les regardiez? Sérieusement? Bon, pas grave, mais d'accord. On va faire un peu de la... Tac, de la recherche. Hein. Comme je vous l'ai dit, maintenant, l'objectif, là, à court terme, c'est vraiment d'être dans une optique où on va crafter la recherche. On va crafter la recherche, on va pas crafter les items pour faire avancer les recherches. On va juste se contenter de faire de la recherche. On va faire les bouquins et ça va être bien. Et ça va être bien. Mieux que hier, plus jamais je fais le vaccin si c'est pas nécessaire. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon après, si ça va mieux qu'hier, c'est déjà bien. C'est déjà un bon début. T'es beau mon chat. T'es beau mon chat. Voilà. Il a rien compris, il s'est pris des bisous alors que c'est un chat innocent. Mais voilà. En même temps, t'es devant moi. Hein? Non mais. Tu restes devant moi, tu prends des bisous. Hein. C'est comme ça, hein. C'est la loi des chats. Hein. Si vous restez devant moi, vous prenez des bisous. Et si vous êtes un chat, évidemment. Je précise quand même. Hein. Là, j'ai plus besoin de mettre l'échafaudage. Je sais que c'est une tour. Là, je vais mettre l'ascenseur. Je vais mettre l'ascenseur pour continuer à descendre vers l'infini et l'au-delà, bien sûr. D'ailleurs, en vrai, je vais venir faire un petit abri. Je vais venir faire un petit abri. Tac. Voilà. Et du coup, il va me faire chier pour l'ascenseur. Parce que là, je vais vouloir mettre du vrai sol. Non, je peux faire ça. Ah, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Je vous avoue que je n'aurais pas cru. Du coup, je peux venir faire ça. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Quelqu'un peut venir mettre le bloc, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce
ce serait fort urbain de votre part. On va remplacer le bloc arrière, remplacer le bloc arrière, remplacer le bloc arrière, remplacer le bloc arrière. Je vais venir mettre là ça, tac. Là tu peux couper ça, tac. Tu peux venir mettre ça. Tu peux venir mettre ça. Tu peux venir mettre ça. Voilà. L'idée c'est de faire juste un petit passage, voilà. C'est un petit abri, juste histoire de... On sait jamais. Je préfère être prudent, je préfère mettre un peu de précaution là-dedans. Je vais couper là, parce que sinon ils ne pourront pas y accéder. Voilà, et maintenant vous pouvez. Voilà. Tac. Et là, normalement, vous pouvez aussi. Là, tu vas faire ça comme ça. Là, tu remplaces. Là, tu remplaces. Voilà. Quelqu'un vient mettre le bloc là. Merci. C'est bien. Hop là. Casse-toi. Casse-toi, tu fais chier. Jean-Michel. Jean-Michel, qu'est-ce que tu fais là? Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Michel, t'es en plein milieu. Jean-Michel, qu'est-ce que tu fous ici? Jean-Michel, sérieusement. Bon, casse-toi. Et c'est maintenant qu'il se casse. Les pires nains du monde. Les pires nains du monde. Au moment où je donne un ordre pour essayer de le débloquer ou quoi, c'est le moment où il se casse. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, sérieusement. Voilà, donc là maintenant, évidemment, là tu me le mets comme ça. Parfait. On a un petit bloc, voilà, un petit abri pour l'ascenseur qui permet de descendre jusque là. Donc on va pouvoir continuer à faire avancer notre puits de mine. D'ailleurs, en vrai, tac, hein, je donne l'ordre tout de suite. Ici, il y a quoi? Ah, ici, on l'a déjà visité. Ici, on l'a déjà visité. Il y avait quelqu'un ou quelque chose et on l'a déjà visité. La drilleuse, elle est où? Ah, merde, la drilleuse, elle est bloquée ici. Ah, la drilleuse est bloquée ici. Bah, on va péter ça et puis on va venir s'en occuper, hein. On va venir s'en occuper. Voilà. On va faire ça comme ça. Quoique en vrai, non, j'ai pas besoin ici. On va venir péter tout ça. Hop, hop. Voilà, on va venir péter tout ça. En vrai, là, j'en ai pas besoin. On va juste venir mettre... Quoique d'ailleurs, en vrai, j'ai même pas besoin de faire ça. J'ai même pas besoin de faire ça, j'ai juste besoin de péter les trucs ici pour remplacer les blocs là. Une fois qu'il y a le sol là, la drilleuse peut avancer toute seule sans que j'ai besoin de lui demander quoi que ce soit. Donc non, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Très bien. Ok. Là, il y a un moine qui est tombé. Je ne sais pas trop comment, pourquoi. C'est à cause de là? Oh, il a dû vouloir sauter, il a dû se planter. Il a dû vouloir sauter et se planter comme une merde. C'est très triste. La vie de ce nain est très triste. On a débloqué des choses. Ah, on a débloqué la construction du canon, de tout ce qui est pistolet et tout ça. En soi, on en a déjà. On en a récupéré dans des coffres. On en a récupéré dans des coffres. Donc, du coup, on n'a pas spécialement besoin de se précipiter là-dessus. Pour le coup, en vrai, on a du stuff. Hein. On a du stuff qui traîne un peu dans tous les sens. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt agréable. Donc, on n'a pas vraiment besoin de se précipiter là-dessus. On va remettre de la nourriture parce que je vois qu'il n'y en a plus forcément beaucoup. Ok. Là. Hop. Vous construisez les blocs. Une fois que les blocs seront posés, on pourra faire avancer la drilleuse. On pourra faire avancer la drilleuse. J'ai très 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 hâte de trouver le niveau technologique suffisant. Enfin de trouver. D'avoir le niveau technologique suffisant pour avoir la drilleuse de niveau 2. Parce que vraiment ça sera beaucoup plus pratique. Parce que là dès qu'il y a un trou, en fait ça me bloque. La drilleuse est bloquée, elle peut pas faire tout seul. Par contre la drilleuse avancée, elle a une grande capacité, c'est qu'en fait on peut y mettre des ponts. On peut stocker des ponts dedans, c'est pour ça que j'en ai fait pas mal en construction des ponts de pierre d'ailleurs. Et des rails, et en fait elle va avancer toute seule et poser comme une grande des ponts pour justement ne pas être bloquée. Pour justement ne pas être bloquée par, par des trous ou quoi que ce soit. Et ça c'est vraiment très pratique. C'est vraiment très pratique parce que ça fait qu'il y a relativement peu de choses qui vont bloquer la drilleuse lors de son avancée. Hop. Je peux commencer à préparer ici d'ailleurs le plan pour mettre la drilleuse. Parce qu'il va falloir que je la fasse avancer évidemment. Tac, tac. Donc tout ça il va falloir le couper. Puisqu'on va la mettre là pour la faire avancer. Il y a une boîte de Pandore, il y a une boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'elle va nous rapporter cette fois-ci la boîte de Pandore? Des merveilles ou
pas. On va espérer que ça va être plutôt positif. Allez. Ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que ça donne? Des renforts. Ça nous a donné des renforts. Et bah écoutez, ok. Donc sauf erreur, les renforts, c'est des mercenaires. Hein. Oui, c'est ça, une escouade de mercenaires. Donc on a des mercenaires qui vont nous aider. Ils vont rester là, attaquer les bestioles, tout ça, tout ça. C'est des alliés. Pourquoi pas? Pourquoi pas, écoutez, c'est toujours ça de gagner, hein. C'est plutôt sympa. Je pense que les recherches sont finies, donc je vais en relancer. Voilà, très bien. Arme à feu, c'est parti. On n'a plus de bouquins. De l'encre, on va en faire pas mal. Hein. En vrai, on peut se permettre d'en faire pas mal parce que on va en faire de la recherche. On va en faire. Le papier, c'est où? Je vois pas le papier. Pourquoi est-ce que je vois pas le papier? Normalement, je suis censé le voir. Je crois qu'il est par là, il est dans les trucs raffinés, non? Non. Le papier est pas dans les technologies raffinées? Si, là. Papier 117, oh on a le temps. On a le temps, on est tranquille. Alors ce qu'il va me falloir, c'est des oiseaux. Genre, toi. Toi. Voilà, toi. Et il n'y en a pas beaucoup plus, malheureusement. Les oiseaux, j'en ai besoin hein, parce que tout simplement ça donne des plumes et que les plumes c'est ce qui nous permet de faire bah, du coup des de quoi faire de la recherche, donc c'est plutôt important d'en avoir. Je pense qu'on va peut-être essayer d'aller tuer vite fait les gobelins. Putain, j'ai tapé un gobelin. Bon bah tant pis, on ira taper les gobelins. C'était pas forcément prévu, j'ai essayé de cliquer sur l'oiseau mais bon les gobelins sont en plein milieu, ils font chier donc en vrai, autant les tuer, ça va nous permettre de récupérer des ressources. Ça fera un danger en moins en bas de chez nous, donc bon. C'est pas une si mauvaise idée. C'est pas une si mauvaise idée. Allez les gars, venez. Sentez-vous concernés. Puis en même temps, j'en profite, je mets l'ordre d'attaque quand même sur le canard. On a besoin de tuer ce canard. On a besoin de ses plumes. On a besoin de ses plumes. Le boss... Évidemment, gobelin s'énerve, donc le boss gobelin va arriver. Le boss gobelin va arriver pour nous saouler, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Allez, on l'élimine, on élimine. Où est le boss? Il est là. Salut. On va mettre un ordre hein, d'attaque quand même sur le boss gobelin. On a pas mal de distance, donc en vrai, ça devrait plutôt être efficace. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Nos petits gars envoient quand même du pâté. On a énormément de ressources qui traînent au sol. Les nains vont tout récupérer et tout ramener au fur et à mesure. Hein. Ça prend un peu de temps, mais ils vont le faire. Et puis, bah là, le boss combat. Hein. Donc le boss qui est en deux phases, comme toujours. D'abord, il est sur son dragon. Une fois que le dragon est tué, il tombe au sol. Et il invoque également des gobelins avec lui. Il invoque également des gobelins avec lui pour se battre. Allez, le dragon. Descends. Viens de battre, viens de battre si t'es un dragon. Allez, massacrez-le s'il vous plaît. Massacrez-le s'il vous plaît. Allez. Voilà. C'est bien. Deuxième phase, le boss est là, on le bute, on le focus. Par contre, il y a beaucoup de gobelins. Il y a beaucoup de gobelins. Il y a quand même beaucoup de gobelins. Bon après il y a un mage qui fait du heal, ça c'est quand même plutôt pas mal. Là on a récupéré un miroir et des statues, bon pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça a l'air compliqué. Ah on a perdu un nain. On a perdu un nain. On a un nain qui est décédé malheureusement. Mais on a nos mercenaires qui sont là, qui sont rentrés dans le combat. Les mercenaires sont rentrés dans le combat parce que du coup ils sont en train de venir dans ma base. Hein, les petits gobelins, donc bah du coup les mercenaires font leur taf. Les mercenaires font leur taf. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est éliminé, ça y est. C'est éliminé, ça y est. Bon, on a perdu un nain. Malheureusement, on a... Oh tiens, il y a un gobelin aussi. Ah non, il y en a même trois. Il y a même trois. On a perdu un nain, ce sont des choses qui arrivent. Tant pis. Tant pis. On va avoir un rip-hop hein, dans 30 secondes, ça va revenir. C'est juste dommage qu'on a perdu un nain.
ça arrive, mais bon. Soit. Et on a récupéré une lance de gobelin, ça me fait une belle jambe. On va pas en faire grand chose en vrai. Hein. Je vous avoue qu'on va pas en faire grand chose. Je vais venir mettre un pont ici d'ailleurs, tiens. Pareil là, je vais mettre un pont en pierre. Je pense que je vais préférer mettre des choses en pierre. Ça rend quand même un peu mieux. Au fur et à mesure qu'on va tout transformer en château de pierre, autant y mettre un pont en pierre, quoi. Ça rendra quand même mieux. Je pense. Voilà, tac. Hop. Allez, venez mettre les ponts, venez mettre les ponts. Non? Personne veut mettre un pont là? Hop, hop, voilà. Hop, voilà. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est pas mal. Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre qu'il ramène tout le loot. Plus qu'à attendre qu'il ramène tout le loot. Ça va venir, ça va venir. Prendre un peu de temps, mais ça va venir. Là, je peux péter ça déjà. J'en ai plus besoin. La drilleuse, elle est où? La drilleuse, elle est là. Et il y a un trou devant elle. Comme d'hab. Comme d'hab. Là, tout ça, je peux enlever en vrai. D'ailleurs, ça va probablement poser problème quand je vais vouloir driller jusqu'ici. Il va falloir que je déplace la drilleuse à la main. On verra quand on y sera. Hein. On va pas se prendre la tête en attendant, mais il faudra voir quand on y sera. Tac, tac. Voilà, venez péter ça. Venez péter ça. Là, pareil, ça va poser problème. Ça va poser problème. En vrai, tu vas péter un bloc là. Putain, ouais, là, ils vont me saouler. Là, ils vont me saouler. Je le vois gros comme une maison. Ils vont être chiants. Ils vont être chiants de ouf. Bon, ramenez les choses à la maison, hein, parce qu'en plus, il y a plein de pièces. Il y a plein de pièces. Pourquoi est-ce qu'il y a des rats ici? D'où est-ce que tu viens, le rat? Je suis assez étonné qu'il y ait un rat qui traîne ici, là-dedans, de tous les endroits. Je vais mettre des lampes un peu quand même, on va éclairer un petit peu l'abri, même si c'est juste un petit abri à la con, random, en vrai, autant mettre un peu de lumière. Ah, j'ai pas la place. Ah, et bah, pas de lumière. Voilà, pas de lumière. On n'a pas la place, on peut pas mettre. Ça prend toute la place donc tant pis. Tant pis. Là, on va vouloir poser des blocs. Hop. Là, on va vouloir collecter de l'eau un petit peu parce que je pense qu'ils vont peut-être pas pouvoir poser le bloc à cause de la flotte. Là, on va remplacer ça par des blocs de pierre. Ça fera plus joli. La pierre, ça prend du temps, hein. On en a 373 en cours de construction et ça prend vraiment du temps de ouf malheureusement. En attendant, ils se déplacent, hein, il faut ce qu'ils font. Tiens, du coup ça s'arrête ici, c'est marrant. Ah, ça c'est marrant, l'ascenseur s'arrête, enfin l'ascenseur dessus s'arrête au-dessus de notre ascenseur et pas au niveau du sol de l'ascenseur, parce que normalement l'ascenseur, la portée maximum est là au niveau de l'ascenseur, et là en fait ça ne marche pas. C'est marrant ça. En vrai, du coup je vais le déplacer un petit peu, pas forcément beaucoup, mais je vais le déplacer un petit peu. Ça me chiffonne, comme on dit. Ça me chiffonne. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nain qui est mort, pardon. Tiens, prends une hache, prends une pioche, prends un dragon de guerre. Voilà, prends ça. Et il y a des nains qui sont pas équipés. Il y a des nains que j'avais oublié d'améliorer. Bon, en fait, c'est tout. Juste un. Ok. On a débloqué des choses. Qu'est-ce que c'est? Des meurtrières, des pièges. Ok. Pourquoi pas. Donc du coup, on va venir décaler, hein, un tout petit peu l'ascenseur. Du coup, je vais pouvoir mettre une lumière. Voilà.
pouvoir mettre une lumière. Donc ça, je peux l'enlever, ça, je peux l'enlever. Tac. Si je le pose là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va me permettre de voir l'ascenseur qui descend ou pas? Et je ne suis pas certain. Et je ne suis pas certain. On va tester. On va tester. Mais il est bien possible qu'il me fasse suer. Je ne serais pas très étonné. En vrai de vrai. Je ne serais pas très étonné. D'ailleurs, où est l'ascenseur? Il est en bas, c'est ça? Attends, regarde. Billy. Voilà, regarde. Je t'ai mis un portail. Parce que je suis sympa. Voilà, c'est bien. Peut-être pas déconner non plus, hein. Hop. Donc là, si je mets l'ascenseur ici, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe sans que tu me saoules? Je pense que oui, j'espère. J'espère. Et là, normalement, je peux mettre la lumière en plus. Hop. Allez, venez construire, les gars. Venez construire. C'est bon, ça passe. Décalé de 1, ça suffit. Il peut bien venir jusque-là. Ok, très bien. Très bien. Et en plus, du coup, on a pu mettre de la lumière. Ce qui est bien. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. Parfait. Ok. Cool. Du coup, on en était où? On en était où? Tu t'es arrêté parce que probablement qu'il y avait un bloc qui n'était pas construit. Probablement qu'il y avait un bloc qui n'était pas construit et que tu pouvais pas du coup. Très bien. Et là, toi t'as fait ça, c'est parfait. Cool. On revient ici. On va venir par là et on va acheter encore une défense. Bam, une tourelle Tesla. On va continuer à acheter des tourelles Tesla et on va venir améliorer ce côté-là. On va essayer de faire une grosse défense de ce côté-là. Ça serait bien. Ça serait très très bien. En attendant, ici, construisent. Du coup, on a combien d'ascenseurs au fait? On a 1, 2 et 3. Quand même. Hein. Quand même, ça commence à être sympatoche ça. Et du coup, en vrai, je peux venir creuser ici. Hein. On peut venir creuser ici. Autant prendre un peu d'avance sur les projets de minage. La drilleuse avance toujours, petit à petit, doucement, mais sûrement. Elle avance. Les nains se plaignent qu'il n'y a plus à bouffer, mais c'est pas grave, ils font avec. Ils apprendront à faire un peu de diète. Hop. Bon, qu'est-ce que vous racontez de beau sinon, vous de votre côté? J'espère que vous allez bien, vous faites quoi de beau? Allez, on a presque fini de creuser. Ça, il pourra pas. Je vais lui donner l'ordre moi-même, parce que sinon, il pourra pas s'en occuper. Je suis même pas sûr que ça l'aille. Ouais, ça l'aille non plus, il pourra pas. Parfait. Enfin, parfait. Très bien, j'enlève l'excavatrice. On va venir au passage remettre de la bouffe ici parce qu'ils se plaignent, comme toujours. Voilà. Allez manger. Voilà, je vous ai mis des petits gâteaux de Noël. En plus, j'aurais mis des petits gâteaux de Noël si c'est pas mignon. Et là, il y a des saletés de zombies de merde qui me saoulent. Je n'ai pas le plan de la tourelle Tesla, mais on voit qu'on n'est pas très loin de la découvrir. Je sais qu'il y a du mithril. Je sais qu'il y a de l'or, des lingots d'or, ce genre de conneries, mais je saurais pas. Je saurais vraiment pas comment. Non, en vrai, je vais pas me précipiter, je vais pas faire de bêtises. On va péter du bois. On va récupérer du bois. Hop. Voilà. On va essayer de crafter du charbon. On va essayer de crafter du charbon, ça donnera des trucs à faire, ça fera de l'XP, c'est toujours ça pris. Je vais continuer à tuer les petits canards aussi. On a besoin de tuer les canards encore une fois pour faire les recherches. Hein. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'occupe des recherches ou pas? Personne peut-être. C'est pas très bien ça. Voilà, fortification avancée. Très bien. Arme à feu. Je pense que 1 en plus, ouais. Ok, très bien. Là, pareil. Faudrait que j'aplanisse le sol à droite. Je me suis pas occupé d'aplanir le sol à droite. Et il va falloir, en vrai de vrai. Ça pourrait être intelligent. Parce que c'est quand même vachement pratique. Hein. Vous avez vu que là, à gauche, le sol est aplani et c'est vachement plus pratique. Hein.
dès qu'on a besoin d'aller récupérer un mob ou quoi, on peut aller en ligne droite, aucun problème. C'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal du tout. La drilleuse, elle est pas encore rentrée. Elle va rentrer, mais elle est pas encore rentrée. On va venir mettre une tourelle de défense ici. On va venir mettre la tourelle de défense ici. Et au fur et à mesure, on ira l'améliorer. Hein. On ira l'améliorer à gauche. Une fois qu'elle sera améliorée, je pense que je vais vouloir faire un petit truc par ici. Je vais mettre des défenses qui les ralentissent. Il y a d'ailleurs, je crois qu'on l'a débloqué. Voilà, les clôtures en fer. Les clôtures ont comme capacité de ralentir les ennemis. Donc en fait, ça, c'est pas un bloc qu'ils peuvent casser ou quoi que ce soit. Hein. C'est un bloc qui est là devant eux. Et le truc en fait, c'est que ça les force à être plus lents. Et ça, c'est bien. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est que ici, on va mettre justement des clôtures. Là sur le sol, on va mettre des clôtures. Et au-dessus, on va probablement mettre des pylônes. Avec les ponts, on peut faire des pylônes. On va probablement mettre des pylônes et on va mettre des toiles Tesla. Et je me dis que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On va venir remplacer des choses ici un peu. On va préparer un petit peu le terrain. Je vais mettre des plans. Il y a un paquet. Paf. Ah bah tiens, une couveuse. C'est vrai que j'ai toujours pas fait de couveuse depuis le temps. Je me suis jamais occupé de faire une couveuse. Pourtant, c'est pratique. Hein. Parce qu'on a récupéré des œufs et en vrai, si on les fait incuber, je pense que ça sera pas mal. Je pense que ce sera pas mal. On va dire comment. Tac, tac. On va mettre là. On met 2 d'écart. Ouais, je pense qu'on peut mettre 2 d'écart. Donc on va dire un truc comme ça. Jusque là. Jusque là, c'est pas mal. Pourquoi là tu veux pas? Qu'est-ce qui te défrise? Par contre, on a déjà plus que 2 blocs de pierre. Putain, ça passe à une vitesse. Quel enfer. Qu'est-ce que vous me faites? Monsieur, vous buguez. Il y a des gens qui buguent un peu dans le pathfinding. Hein. Oh, ça va aller, ça va aller. Chut, chut, ça va aller. Je pense qu'ils sont en souffrance là. Là, je pense qu'ils sont en souffrance, les pauvres gars. Hein. Faut les achever, c'est possible. Hop. Et ça repousse alors que j'ai même pas fini de remplacer les blocs, quoi. Sérieux. Sérieux, sérieux. Tac, là on remplace, là on remplace. Voilà. Je pense qu'un truc comme ça, c'est pas trop mal. Ça va aligner un petit peu les tourelles Tesla. Je pense que ça va piquer. Ça va piquer. En même temps, c'est l'idée, hein. C'est que ça pique. Hein. Il y a l'attaque. Et merde. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Il y a l'attaque. Alors, déjà, on va s'occuper d'ici. On va s'occuper d'ici. Ah, il y a 2 portails, par contre. Ça y est, on commence à avoir 2 portails. C'est la première fois qu'on a 2 portails. Donc, bah, coucou. coucou, coucou. Alors, il y a quelqu'un qui récupère la boîte de Pandore. C'est bon. C'est la fête. Qu'est-ce que c'est la fête? Nous avons découvert un coffre étrange récemment découvert, nous avons trouvé des feux d'artifice, la nuit promet d'être inoubliable. Ok. Bah, c'est la fête. Je sais pas trop ce que ça fait, mais c'est la fête. Voilà, sachez-le. Sachez-le, c'est la fête. Va falloir se défendre, hein, par contre, les Jean-Michel. Alors, les mercenaires sont à droite. Ah, il y a des feux d'artifice derrière, effectivement. Ok. Ok. Putain, ils sont en train de péter en dessous les blocs. On a perdu un nain. On a un nain qui est mort. On a un nain qui est mort. Et ils ont réussi à en achever un. Ils ont réussi à en achever un. C'est un peu nul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de cela? Non, parce qu'ils sont en train de péter le bloc en fait. Et ils vont le péter. Bon. Bah, je vais en profiter pour remplacer les blocs. Hein. Je vais en profiter pour remplacer les blocs. Ah, et à droite, ils sont passés aussi. Et à droite, ils sont passés aussi. Et ils vont venir attaquer là les défenses. Les gars, combat hein, quand même à l'intérieur de la base. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vite, en fait, avant qu'ils pètent mes défenses et tout ça.
Et il y en a encore en bas. Le Tyranoï, c'est... Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parfait. Ok, on va venir construire. Construire. Ok. Ah, puis là, ça a repoussé en plus. Quel enfer. Bon, c'était pas totalement pourri, c'était pas totalement exceptionnel. Voilà, c'est pas tip top. C'est pas tip top. C'est pas tip top. Il va nous falloir des portes. Il va nous falloir des portes. D'ailleurs, est-ce qu'on a des meilleures portes ou pas? Non, hein, on a que les portes en bois, hein, toujours. Les portes un peu nulles. Les portes malheureusement un peu nulles. Va falloir continuer à avancer les niveaux technologiques pour en fait débloquer les portes, notamment en acier. Les portes de bunker qui, elles, vont être plutôt utiles, je pense. Bon, là, je peux construire, très bien. Voilà, venez récupérer un peu tout ce qui traîne, hein, quand même, les gars, s'il vous plaît. Ce côté-là, c'est bon. Donc là, c'est là où ça va poser problème, mais il bosse. Voilà, il pose le bloc, c'est fini. La maison est fermée. Donc récupérer tout ce qui traîne, ramener tous les items à la maison. Ça serait fort urbain, que je puisse rééquiper notamment le nouveau nain. Hein, ça, voilà. On a un nouveau compagnon, puisque un précédent a eu un souci de décès. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dormir dans les lits? Je comprends pas pourquoi est-ce que ces crétins dorment là au sol, en fait. Normalement, quand ils dorment au sol, c'est qu'il n'y a pas assez de lits. Mais on a 24 lits. 24 lits et ils sont 17 nains. Ça n'a pas de sens qu'en fait ils ne dorment pas dans les lits. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas dormir dans le lit? Je ne comprends pas. Je vous avoue que je ne comprends pas. Il n'y a pas de raison qu'il ne dorme pas dans le lit, en fait. Il y a des lits pour tout le monde. Il y a putain de lits pour tout le monde. What the fuck? Bon, ma foi. Là, construire. Ok. En attendant, ici, on a au moins préparé le terrain pour quand on mettra des défenses en plus. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va vraiment essayer de centrer un côté, on fait les défenses complet, voilà. Et une fois que les défenses sont faites totalement d'un côté, on ira s'occuper de l'autre côté. On peut préparer le terrain, en soi, mais je pense qu'on va vraiment rester sur le fait de mettre des... De toute façon, on n'aura pas assez de blocs. On n'aura pas assez de blocs. Hop. Non, je voulais fermer, mais c'est pas grave. On n'aura pas assez de blocs de pierre pour l'instant. Ils n'ont pas construit assez, donc dans tous les cas, ça change pas grand chose. On ne pourra pas préparer tout le terrain. Là. Et j'en ai mis 3, je crois. Hein. 1, 2, 3, ouais. Donc là. Voilà. Et ici, je vais vouloir remplacer, mais bah, il faut que j'ai des blocs de pierre. Quoi. Il faut que j'ai des blocs de pierre. Alors, j'ai débloqué du stuff, du stuffu. Du casque d'écaille notamment. Cuirasse d'écaille. Bouclier en fer. Très bien. On va faire armure expert. Hein. Je vais avancer vite. Encore une fois, je fais la recherche. Je débloque les crafts. Et après, on verra ce qu'on en fait vraiment. Qu'est-ce qu'on construit vraiment. Parce que, bah, autant voir le niveau technologique le plus évolué possible. Hein. Ça sera utile. Hop. Ok. Ok. Très bien. Il y a des gens qu'il faut que je rééquipe. Hein. Putain, on en a... Oh là là, on en a perdu beaucoup en vrai. Oh, on a perdu 4 nains en vrai. C'est quand même la loose. Hein. C'est quand même la loose. C'était un peu une déculottée. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'était un peu une déculottée. Toi, tu seras au corps à corps. Hein. Toi, tu seras Jean-Michel corps à corps. Hein. Toi, tu seras Jean-Michel distance. Tac. Je t'ai pas mis d'outils. Je t'ai pas mis d'outils. Voilà, tac. Tu seras Jean-Michel distance aussi. Hop. Voilà. Très bien. Et encore toi. Voilà. Tu es un grimpeur. Et bien, tu seras Jean-Michel distance également. Très bien. Ok. Ils sont rééquipés. Ils sont rééquipés. En attendant, je peux continuer à avancer. Au fur et à mesure qu'ils avancent et qu'ils font des putains de blocs de pierre, je peux venir construire.
Je pense qu'il y a énormément de ressources à récupérer. Ouais. Il y a énormément de ressources à récupérer partout au sol. Donc je pense que je vais arrêter de leur donner des ordres. Je vais arrêter de leur donner des ordres. Je vais les laisser récupérer le matos. En vrai. Je vais les laisser un peu récupérer le matos parce que là, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop qui traînent partout. Je vais venir reposer quand même la drilleuse. Parce que voilà, ça fait pas de mal. Mais pour le coup, on va pas redonner des ordres de type aller couper des trucs, tout ça, on va laisser couler un peu, on va laisser couler un petit peu, on va les laisser un peu ramener tout ça, on verra déjà si on n'augmente pas un peu le nombre de pièces qu'on a, éventuellement racheter une défense, on sait jamais, relancer des crafts, notamment de charbon, ça fera de l'XP, c'est toujours bien, on a récupéré un truc en plus, des casques rouillés, en vrai on va péter un petit peu les items qu'on a. On a plein d'items qu'on s'en fout. Autant récupérer les ressources qui les constituent. Tout ce qui est massue de squelette, ce genre de bêtises là. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Même ça en vrai, on n'en a pas besoin. Cartouche de boule de foudre. Une cartouche pour arc éclair particulièrement puissante. Ouais, mais c'est pas infini ça. Je sais pas si on va le. Bon, je vais le garder pour l'instant, je vais pas le décraft, mais je suis pas sûr de vouloir le garder à terme. On va peut-être vouloir s'en débarrasser à un moment donné. Et je pense qu'on va peut-être aussi regarder pour faire du stuff. Hein. Du stuff amélioré pour certains. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Flotteur aussi. What the fuck? On va peut-être regarder pour faire du stuff amélioré. Parce que là, le truc, c'est qu'on a pas mal de plans différents. C'est cool, c'est très bien. Mais tout le monde n'a pas forcément des armures très évoluées. Alors le casque, c'est 8. Casque d'écaille, c'est 8. En vrai, on va regarder hein, pour en modifier. Hein. Bon, ça évidemment, ceux qui ont un chapeau de Noël, on va pas le toucher, on va le laisser parce qu'il est très bien. 1. Un, toujours 2 3 3, faut qu'on fasse 3 casques. Voilà, tac. Ensuite, les chaussures, les meilleures chaussures qu'on a, je pense que c'est les bottes de guerre. Armure 10, ouais, je pense que c'est le must. Je pense que c'est le must. On va regarder pareil ce qu'ils ont. Ça, c'est quoi? Ah, oui, on a mieux donc, dans tous les cas. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Il va falloir en faire 12. On peut en faire 4. Chiantos. Bon, on va déjà faire 4, hein, écoutez. Et après, on n'a plus de lingots d'acier. Bah, on va refaire des lingots d'acier, hein. On va refaire des lingots d'acier. Qu'est-ce qui me bloque après? Ouais, c'est que j'ai plus de. C'est que j'ai plus de minerai de fer. Ok. Soit. Je voulais regarder un truc également. Je voulais regarder si j'ai le plan. Et j'ai le plan puisque j'ai fortification avancée. Donc c'était de la brique et c'était de l'argile. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit. Je me demande si franchement le mur de brique, c'est pas justement brique et argile. Et bien, la réponse était oui. Par contre, du coup, c'est que ça va être super cher. Par contre, du coup, c'est le problème, c'est que ça va être super cher. Parce que les briques. Ah, quoique. Oh, quoique, en vrai. Non. On peut tenter d'en faire plein. L'argile, comment est-ce que je le craft? Attendez, où est l'argile? C'est raffiné l'argile déjà? Ah oui, c'est un truc raffiné l'argile. C'est juste de la terre et de l'eau. Bah écoutez, on va en faire, hein. On va en faire beaucoup. Et je pense qu'on va essayer de faire des murs de briques en fait, hein. Je pense qu'on va essayer de faire des murs de briques. Ça coûte une blinde, mais je pense que c'est une bonne idée. Je pense que les murs de briques, c'est pas mal. Je pense que les murs de briques, c'est pas mal. Peut-être même mieux que les. Enfin oui, c'est mieux que les murs de pierre. Du coup, je vais peut-être annuler les murs de pierre. Est-ce que j'annulerai pas les murs de pierre? Oh, après j'aime bien construire en pierre aussi. Je pense que si je vais quand même garder les murs de pierre parce que je vais vouloir en mettre à d'autres endroits.
Je vais faire de la déco avec. Donc en vrai, je vais les garder. En vrai, je vais les garder. Ok. Donc les nains sont en train de faire des allers-retours, hein. Ils récupèrent les ressources qui traînent au sol et ils les ramènent à la maison. Ils les ramènent à la maison et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Toi, t'es prêt à partir, mais le problème, c'est que bah, ici, on est bloqué. Construire. Et là, en vrai, on va vouloir construire. Tac, tac. Ça et ça, on va vouloir le péter. Là, on va vouloir péter ça. Là, on va vouloir péter ça. Je peux mettre ça ici comme ça. Très bien. D'ailleurs, non, on va faire ça comme ça. Ah bah oui, forcément, ils sont bloqués ici. Quel con. Quel con, ils sont bloqués à ce niveau-là. Évidemment. Évidemment. Voilà. Maintenant, ils sont plus bloqués. Maintenant, ils ne sont plus bloqués. Et puis, bah là, en vrai, on va venir mettre des choses comme ça pour qu'ils puissent construire un peu partout. Ok. Ok, tac. On vient faire ça comme ça. On vient faire ça comme ça. Voilà. Donc là, ils vont pouvoir construire le passage tout du long. Et après, je pourrais lancer la drilleuse. Après, je pourrais lancer la drilleuse. Voilà, puis là, il récupère tout un tas de choses. Tiens, d'ailleurs, ici, on récupère de l'argile directement. Ah, je ne savais pas. Tiens, ici, je peux te donner des blocs. Je sais pas. Je sais pas ce que ça sert, ça. Là, il y a un petit hôtel, mais je sais pas trop quoi en faire. Je ne sais pas trop quoi en faire. On va casser l'arbre qui est au-dessus, sinon ça va me bloquer la drilleuse. Et ça va être relou. Et ça va être relou. Fermé, très bien. Tac. Alors là, on vient rajouter des blocs. Là, on vient rajouter des blocs. Et ici, on va tout péter. Ici, on va tout péter. On n'en a pas besoin. Et ça va me bloquer en fait. La drilleuse pourra pas avancer parce qu'il y a le temple, tout ça. Donc on va tout péter. On remplace tout ça. Voilà. On a un paquet qui traîne. Si feu d'artifice, bref. Bref, là ils sont toujours en train de faire des recherches, donc j'ai pas besoin de relancer quoi que ce soit pour l'instant. Toi, creuse à gauche. Voilà. Ici, je peux enlever tous les petits trucs de construction. Ça fait de la pierre. Pourquoi pas, ça sera toujours utile, hein. Ça sera toujours utile. Voilà, on casse tout ça. Il y a des petites créatures qui sont là. Coucou. Veuillez mourir s'il vous plaît, vous êtes relou. Jean-Michel relou. Allez, allez, voilà, merci. Très bien. Allez, vous pétez tout, vous pétez tout. Ici, on remplace. D'ailleurs, pourquoi est-ce que toi, t'as un truc de pierre sur toi, mais que... Ah, voilà. Si t'avais l'ordre quand même. Tu avais l'ordre. Très bien. Là, on continue de tout péter. Voilà. Bon, bah. Le temple est nettoyé. Le temple est nettoyé, ça c'est pas mal. Technologie, armure, très bien. Parfait. Petit bouquin de magie, très bien. Ici, je vais préparer le terrain pour la drilleuse après. Tant que j'y suis, hein, autant le faire. Voilà. Ici, on vient remplacer le bloc. Voilà. Putain, l'araignée. La taille de l'araignée. Au camp. Ça va, on vous dérange pas les araignées? Putain, il y a du peuple, hein. Il y a du peuple, hein. On va tuer toutes ces araignées, hein. Moi, j'aime pas trop ça, les araignées. C'est pas mon kiff. J'aime pas beaucoup ça. J'aime pas beaucoup ça. Là, tu peux péter tout ça. Là, tu peux enlever ça. Voilà. Et t'as un arbre de merde qui pousse parce que t'as Artemis qui vient de passer devant moi. Quel enfer. On a débloqué plein de petits trucs, des petits cristaux. Très bien. Des lingots d'argent, très bien. Des murs d'acier. Tiens, une meilleure clôture d'ailleurs. Mur d'acier. Ah oui, et puis ça coûte de l'acier du coup. Waouh, c'est cher. C'est cher. On a débloqué une meilleure porte. On a débloqué une porte en acier. On a débloqué une porte en acier. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, la porte en acier. Et du coup, on vient de débloquer du meilleur stuff.
mais qui est du stuff en argent. Et en vrai, l'argent, on n'en a pas beaucoup. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Donc, on va faire le travail de l'argent en recherche. On va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête. Voilà, coupe-moi ça et pète ça après derrière. Et toi, ne refais pas spawn des trucs, hein, parce que t'es un enfer. Tu es un enfer. Et là, déjà, il y a des putains d'arbres qui ont poussé. Ça m'en fout. Bon, les nains ramènent les ressources, hein, ils sont au moins doués pour ça. C'est toujours ça de gagner. Et là, les fourmis se sont entretuées, je crois. Ou non, elles ont dû tuer un crapaud, une connerie comme ça. Elles ont dû tuer un crapaud, une connerie comme ça. Ok, là il y a des saletés. Veuillez mourir, s'il vous plaît. Là, on va venir remplacer. Hop. Voilà. On a un nouvel item encore. Qu'est-ce que c'est? Cristal bleu, très bien. Soit. Soit, soit, soit. Je sais que j'ai des tâches, hein, mais je viendrai m'en occuper plus tard. Je suis pas pressé pour l'instant. Je suis pas pressé pour l'instant. Là, il y a les ennemis qui viennent faire coucou, hein, donc bon, bah, coucou. Coucou, coucou. On n'a que 10 pièces d'or. Putain, s'il y avait un craft pour faire des pièces d'or aussi. Je pense que ça serait le premier truc que je ferais, ça serait de crafter des pièces d'or ou de tout faire pour faire des pièces d'or pour pouvoir acheter bah justement tout ce qu'il faut dans le grunt, hein. En vrai. Putain, mais il y a encore un arbre qui a poussé derrière, mais c'est pas possible. Putain, mais regardez-moi la taille des bestioles, quoi. Tuez-moi ces araignées de merde là. Quelle horreur. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer les araignées. J'aime pas beaucoup ça. Là il faut que je pète des blocs au fait, parce que quand je vais relancer la drilleuse, faut qu'il y ait la place. Faut qu'il y ait la place. Donc on va péter un petit peu tout ça. D'ailleurs là du coup tu vas me poser problème. Là tu vas me poser problème. Haha, tu vas me poser problème. Tu vas me poser problème. Je vais venir poser par là. Ouais. Là en vrai tu peux poser. On va voir comment ça va s'avancer, mais je pense que là globalement. Faudrait que je pète ça en vrai. Faudrait que je pète ça. Pour pouvoir poser les blocs. Ici, tac. Et ici. Tac. Ah, et évidemment, il faut tout nettoyer. Parce que là, ça me bloque. Toi, t'es bloqué, donc on enlève l'excavatrice. Ça, on l'enlève. Là, les arbres, merci de les enlever aussi d'ailleurs. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, bien au contraire. Il y a des araignées qui traînent du coup ici. Il y en a une par-ci, par-là. Une petite ici aussi. Bon, pourquoi pas. Elles n'ont pas l'air de se répandre et de s'étendre comme l'enfer. C'est au moins ça. C'est au moins ça. Il y a plein d'araignées, hein. Elles sont bien dégueulasses, hein, quand même, hein. Ah, pour le coup, elles sont bien horribles, hein. Elles sont bien horribles. Hop, allez. La drilleuse n'est pas encore rentrée à la maison. La drilleuse n'est pas encore rentrée à la maison. Quelqu'un l'a toujours dans son stockage. Voilà, et là je vais remplacer les blocs, hein. Voilà, parfait. Tiens, une petite tique. Alors par contre, reste pas bloqué là-dedans. Bah attendez, on va le sortir. Parce que là, t'as l'air un peu con, Coco. T'as l'air un peu con. Quand même. Toi, on peut t'enlever, hein. Faut juste venir mettre un petit bloc ici. Voilà, donc t'as pu sortir, très bien. Voilà. Parfait. Là, je peux enlever. On n'en a plus besoin. La drilleuse est toujours pas rentrée, hein. Elle est toujours au sol ou quelqu'un l'a dans son stockage? Potentiellement, quelqu'un l'a dans son stockage et juste n'est pas encore arrivé. C'est possible. C'est possible. Faudra que je pense à équiper tout le monde avec le nouveau stuff que j'ai fait. Mais après, en même temps, je suis en train normalement de crafter des lingots, tout ça. Est-ce que quelqu'un se souvient le nombre de chaussures que j'étais censé faire? Parce que les bottes en argent, j'aurais pas, hein. Il faut des lingots, donc c'est mort. Est-ce que vous saviez combien je dois en faire? Je crois qu'il y en avait plus que 10. Bon, après, là, j'en ai fait un peu trop.
Là, je pense que j'en ai fait un peu trop. Ça devait être quelque chose comme 12, 13. J'en ai fait trop. J'en ai fait trop, donc je vais annuler l'ordre. Dès qu'il y en a un qui va s'y mettre, je vais annuler l'ordre et je vais refaire. Et je vais refaire parce que là, j'en ai mis trop. Je suis certain que j'en ai mis trop. Et je sais plus combien je suis censé en faire. Je crois que je suis censé en avoir une dizaine, une connerie comme ça. Toi, tu fais des blocs, très bien. D'ailleurs, en attendant, ici, hop, voilà, on remplace, on remplace, on remplace. Très bien. Non, toi, tu fais un lingot. Tu fais un lingot. C'est où que vous les faites, les bottes? Non, là, c'est des lingots. Ah, voilà. Tac, donc toi, je t'annule. Toi, je t'annule. Et on va dire 6 dans un premier temps. Dans un premier temps, on en fait 6. Comme ça, on va avoir, je pense, globalement tout le monde. Et on verra combien de nains n'ont pas l'équipement suffisant. Ça y est, je peux reposer la drill. Venez la poser ici. Voilà, et puis là, on pourra relancer. Très bien. Ah bah, déjà. Creuse à gauche. Pétez-moi ça aussi, au passage. Pétez-moi ça. Est-ce que je peux relancer du craft? Oui. Et en vrai, on n'a plus d'arbres. Et en vrai, on n'a plus d'arbres. Et je consomme pas mal la terre, hein. Il y en a plus que 480. Hein. On était arrivé à la quantité max, qui est 999. Là, ça y est, on n'y est plus. Hein. On n'y est plus. Comme quoi, mine de rien, à force, on l'utilise. Hein. Hop. Et je pense qu'en plus, le charbon, ça va être probablement, je suis pas sûr, mais probablement un élément qui va nous servir pour faire l'alchimie et donc crafter le minerai de fer, le minerai d'argent et ainsi de suite. Je serais pas étonné. Oh, pénurie de mana. Mais non. Mais pas la pénurie de mana. Bon, bah la drilleuse va s'arrêter. Fait chier. Fait chier. C'est nul. C'est nul. C'est nul, 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 nul. Bon, on va aller chercher ceux qui n'ont vraiment rien. Bonjour. Tac. Voilà, on met des jolies chaussures. C'est quand même plus joli. C'est quand même plus joli. Bon, pas le mage, évidemment. Hop. Hop. Il y en a un qui s'appelle Cyril, c'est mignon. C'est mignon. Et du coup, il en manque quoi? 1, 2, 2. Ah, c'est tout! Ah bah voilà! On en manquait pas beaucoup. Donc 2. Hop. Et en attendant, ça je peux le péter. Ça je peux le péter. Ça je peux le péter. Et ça je peux le péter. Et Renéman, comment ça va depuis tout à l'heure? Ça se passe bien au travail? Du coup, nous avons des jolis petits chapeaux également. Yay! On va venir remplacer les chapeaux qui sont pas incroyables. Chapeau de bois, hein, c'est quand même pas fou, hein. On va pas se mentir. Et je crois que c'est tout. Très bien. Et maintenant, on va regarder pour autre chose. On va regarder pour les armures. Alors, 40. 40 et moins 18 d'agilité. 40 et moins 18 d'agilité. Ah oui, c'est dans tous les cas, c'est mieux. Dans tous les cas, c'est mieux. 16, 20. Alors, j'aimerais bien faire des armures d'argent. En vrai. Le truc, c'est que par contre, on n'a clairement pas les lingots d'argent. On n'a clairement pas les lingots d'argent. Et on n'a pas de quoi en faire beaucoup en plus. Hein, c'est mort. C'est mort, on ne les fera pas. On ne fera pas d'armure en argent. On n'a pas les thunes. En dessous, le mieux, c'est la cuirasse d'écaille. Ce qu'on a de mieux, c'est la cuirasse d'écaille. Donc on va faire la cuirasse d'écaille qui fait 16. On en fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Il nous faut 6 armures d'écaille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Comme ça, on aura des nains qui seront un peu plus stuffés quand même. Hein. Ils auront un peu plus de quoi envoyer du pâté. Ce qui est pas mal. Et après, je pense que la prochaine étape, ça va être de regarder tout simplement les armes. On va regarder les armes. Qu'est-ce que concrètement on a comme arme et voir pour justement améliorer ça. Oh, les petits chatons.
Regardez comme ils sont beaux les petits chatons là. Ils dorment l'un contre l'autre. Non. Oh. Mon Dieu, ce qu'ils sont beaux. Regardez comme ils sont beaux les beaux chatons là, à dormir l'un contre l'autre. C'est pas trop choupi? Mon Dieu, ce que vous êtes choupi. Oh là là, ce qu'ils sont choupi. Ils sont trop choupi. Ils sont beaucoup trop choupi. Ils sont beaucoup trop choupi. Peignon in mana, tu peux le faire disparaître. Hein. J'ai compris qu'il y avait une peignon in mana. Ouais, merci. Je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu. Un peu trop même. Là, en attendant, je remplace la terre. Voilà. Je fais sauter les arbres parce qu'on en a plus besoin. Et ici, on va venir faire disparaître ça. On va venir réduire le sol. Tes bébés. Bah oui, tes bébés. Tes bébés qui tapent une petite sieste au calme. On voit pas bien. Ah oui, oui, c'est le problème, c'est que bah, ils sont un peu reculés et en vrai la caméra elle rend pas forcément de ouf parce que bah, elle est toute, toute claire et puis avec la fenêtre qui est ouverte, bah forcément ça, c'est pas le must. C'est pas le must. On est d'accord. Hop. Cassez-vous. Ouais, je suis en train de refaire le sol. Les morceaux d'arbres qui tombent, tant pis, hein. Tac, là on vient faire ça, on vient faire ça, on réduit le sol. On a un paquet cadeau, bah il est juste là. C'est un peu des loots de merde. C'est un petit peu des loots de merde. C'est un petit peu des loots de merde. C'est pas grave, hein, mais bon. On peut pas toujours avoir des bons cadeaux, hein. De toute évidence. Ici, faites de la pêche. On va faire de la pêche, on va vider le lac de ses poissons et puis après on videra le lac. Tout court. Tout court. Voilà, parfait. Ça fait un sacré nettoyage. Hein. Ça fait un sacré nettoyage tout ça. Puis on récupère des pièces. Hein, on récupère des pièces. On récupère petit à petit des pièces d'or qui nous seront bien utiles. Parfait. Voilà. Allez, coupez-moi tout ce sol que je ne saurais voir. Hop, remplace, remplace. Hop, coupe ça. On va bientôt se faire attaquer dans 10 minutes. Je voulais faire un truc, les équipements. Je voulais faire les équipements. Voilà, on va vous mettre des jolis équipements. Des belles petites cuirasses style Chine. En vrai, le skin chinois est quand même classe. Hein. Cette ambiance est plutôt sympatoche. Voilà, parfait. J'ai oublié de remplacer les bottes, c'est ça? Oui, c'est vrai, on a fait deux bottes pour les deux derniers que j'avais oubliés. Parfait, ça c'est bon. Donc le reste, je peux le péter, j'en ai plus besoin. Voilà. Là d'ailleurs, ceci, hein, je peux le péter, j'en ai pas besoin. Les recherches sont en cours, il faut juste qu'ils se chauffent et qu'ils s'en occupent. Tout ça, je peux le péter, j'en ai pas besoin. Et du coup, on arrive aux armes. Aux armes, j'ai des épées qui seraient mieux, parce que là, je pense que j'ai toujours ça. Quoique c'est 20 dégâts, oh, 25, c'est pas tellement plus pété que ça. Hein. C'est pas tellement plus pété que ça. Hein. Je vais plutôt essayer de prioriser les outils en argent, mais du coup ça veut dire qu'il faut que j'ai de l'argent, ce que pour l'instant je n'ai pas. Ouais, je pense qu'on va peut-être essayer de récupérer de quoi faire des outils en argent. Hein. Au fond du puits on a comment? Ben, j'ai complètement oublié de m'en occuper depuis les plombes. Voilà, très bien. On a un livre des bûcherons qui traîne. Voilà. Et on est arrivé au maximum que peut aller l'ascenseur, c'est-à-dire qu'il va nous falloir récupérer un autre ascenseur encore. Il va nous falloir récupérer un autre ascenseur encore. Dommage. Pas dommage. Pas dommage, mais bon. C'est relou. On a plein de ressources au sol. Plein de ressources au sol. Alors, vise mieux quand même, s'il te plaît. T'es pas très doué, hein. C'est pas des tireurs d'élite, hein. C'est pas des tireurs d'élite, hein. Vraiment, c'est pas des tireurs d'élite. C'est pas transcendant. C'est pas transcendant.
Voilà, mais déjà, venez récupérer tout ce qui traîne au sol, c'est bien. Il y a plein de pièces qui traînent, hein, donc ça sera utile. Ça sera utile et ça sera utilisé surtout. Oh, il y a des voisins. Il y a des voisins qui font chier. Bonjour, veuillez mourir. Merci. Voilà. C'est sympa, mais voilà, hein, j'en veux pas. Merci. Cassez-vous. Cassez-vous. Pourquoi je suis attaqué? Je suis attaqué où? Ah, c'était là? Oui, mais c'est bon, je m'en suis occupé. Je m'en suis occupé. Il y a encore des trucs à récupérer au sol ici? Ah oui! Mais il y a plein de ressources au sol en vrai. Ils ont toujours pas fini, hein. Ils mettent des plombes. Vous mettez des plombes à récupérer les ressources. Vous mettez de sacrées plombes, hein. Je vais vous mettre des gâteaux. Je vais vous mettre des pommes d'or. Voilà. Ils mettent vraiment des plombes. C'est un peu nul. C'est un petit peu nul. On va attendre, hein. On va attendre qu'ils ramènent les ressources en vrai. On voit qu'ils vont dans tous les sens, hein. C'est qu'ils ont des ordres, hein. Ils sont pas désœuvrés, loin de là. Donc en vrai, on est un peu dans une phase calme là. On va juste attendre que ça se fasse tout ça. On va juste attendre que ça se fasse. Oh. J'ai eu des messages, qu'est-ce que c'est? Je me permets de regarder mon téléphone un petit peu, hein, vu qu'on est dans une phase calme. Hein. Sacré orage. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se voit? Messenger. Allez, récupérez-moi. Bon, on voit qu'il y a de l'activité, hein. Il y a de l'activité. Ils sont efficaces, ces petits nains, ils sont efficaces. On est d'accord que j'ai équipé tout le monde et tout, hein. J'ai plus rien en attente, hein. Ouais, je vous ai tous équipés, vous êtes bien. J'ai des élixirs de mana, en vrai, que je pourrais utiliser éventuellement, mais... ouais, voilà. Hein, bon. Je vais attendre qu'il récupère. Par contre, il y a un oiseau. Il y a un oiseau. Venez buter l'oiseau. Ça, on a besoin des plumes. On a besoin de ses plumes. On a besoin de ses plumes. Pareil là, ordre d'abattage, hein. Vous tuez cet oiseau. Il nous faut absolument ses plumes à ce petit coquin. La pêche, ça s'est fait ou pas? Je crois que oui, mais il y a déjà de nouveau des poissons. Donc on va relancer un petit ordre, hein. On va venir éliminer tout ça. On va venir éliminer tout ça. On est à 15 pièces d'or, c'est pas exceptionnel. Et on a récupéré du mana, donc je peux le relancer, hein. Je relance la drilleuse, ça va permettre de récupérer à nouveau des pièces, j'espère. J'espère. On verra bien. Mais normalement, oui, un petit peu. Hein. Normalement, un petit peu. Ici, bah, y a des petits trucs qui attendent, mais rien d'exceptionnel. Et puis, on va reprendre un ascenseur assez... assez incessamment sous peu. Je pense que quand on sera à 25 pièces d'or, on prendra un ascenseur pour continuer notre puits qui s'enfonce vers l'infini et l'au-delà. Le puits principal qui est vraiment assez vénère en vrai. Mais je sais pas, j'aime bien faire des puits comme ça de mine, vraiment le truc qui descend. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur entrée. Oups. Le puits de mine qui descend comme ça vraiment dans les grandes profondeurs, en vrai je trouve que c'est plutôt pratique pour notamment quand on a besoin de ressources. De ressources spécifiques, tu peux aller un peu focus le fait d'aller récupérer le niveau de l'argent parce que tu vois facilement à quel niveau sont tel ou tel minerai. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. En vrai, c'est plutôt pas mal, je trouve. 10 secondes, il va y avoir l'attaque. Il va y avoir l'attaque. J'aurais été pas contre le fait de récupérer plus de pièces. On peut pas tout faire. On peut pas tout avoir. Il y a des ennemis à gauche, il y a des ennemis à droite. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Allez, les ennemis qui sont là, ils nous font coucou. Ah, il y a un géant, il y a un géant. Il faut buter le géant. Il faut buter le géant. Parce que il va casser sinon tout ce qui traîne et ça me plaît pas trop. D'ailleurs, il y en a un là aussi. Il y en a un là aussi.
Je sais pas du tout si ça va bien se passer. Je vous l'avoue, je ne sais pas. Il y a deux géants. Ah, et ils ont déjà cassé mes tonneaux. Ah, ils ont cassé mes piliers. Bande d'emmerdeurs. Bande d'emmerdeurs. C'est le zbeul. C'est le zbeul. C'est le zbeul. Bon, au moins on a les défenses ici qui font un peu le taf. Pas trop non plus, hein. Faut pas, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça attaque un petit peu, c'est au moins ça de gagner. Par contre, à droite ils passent, hein. À droite ils passent comme ils veulent. Hein. Et ils ont cassé. Voilà, cet enfoiré de géant de merde, il a tout pété. Ça vraiment, c'est un mob que je déteste. Il casse tellement le décor, mais beaucoup en plus, hein. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est une horreur. Et voilà, et il casse tout. Connard. Mais regardez-moi ça! Faut peut-être arrêter de déconner un peu, non, Jean-Jacques? Et puis il y en a combien là des géants? Oh! Et là il va me tout casser, là il va me casser ici. Voilà, tiens. Viens foutre le zbeul. Sympa. Sympa. Oh là 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 là, quel enfer. Bon là on ne tient plus des défenses, hein. On ne tient plus. 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 On a perdu des nains. Je pense que la statue est peut-être pétée. Non. Non. Non, ça va. Les statues ne sont pas pétées. Donc les héros ne sont pas morts. Les héros ne sont pas morts. C'est au moins ça de gagner. Par contre, on s'est fait ouvrir. Par contre, on s'est fait ouvrir. On s'est fait ouvrir. Et vous voulez bien défendre et tuer les connards qui traînent là en plein milieu? Ça vous tente pas? Non? Bon. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il va falloir changer des choses. Hein. Il va falloir changer des choses. On a perdu les deux tourelles de défense. Donc ça fait 50 pièces perdues. 50 putains de pièces perdues. Ça me rend vachement heureux. Ça me rend vachement heureux. Je pense qu'on va peut-être essayer de modifier la base pour aller peut-être en hauteur. Ça peut être un truc. Ça peut être un truc. Et coucou roi Sylvain, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. Ça va être compliqué du coup là. Ça va être compliqué. Je peux avoir le cadeau? Merci. C'est quoi? Crapnik? Ou Chachouette? Il va falloir que j'agence tout différemment. Il va falloir que j'agence tout différemment. Et là, comme ça, tout de suite, je vous avoue que je ne sais pas exactement comment je vais faire. Je vous avoue que je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je trouve une bonne solution. Parce qu'on se fait ouvrir. Hein. Là il passe vraiment facilement. Il passe vraiment facilement. Donc c'est très gênant. C'est très gênant. C'est très 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 gênant. Ils ont pété les défenses, mais alors comme dans du beurre. Comme dans du beurre. Ce qui, vous vous en doutez, ne me plaît pas beaucoup. Donc je ne sais pas. Là il faut que je trouve un moyen. Il faut que je réfléchisse à une bonne défense. Et je vous avoue que je ne sais pas. Là, tout de suite, comme ça, là, je... Qu'est-ce qu'on peut faire comme bonne défense? Un truc que je me dis, c'est que on peut partir sur vraiment une tour qui va très très en hauteur, et en fait, on met tout en haut. Nouvelle technologie, travail de l'argent, fini, et du coup, ça nous a débloqué l'arc éclair. Très bien, magnifique. Un truc qu'on peut faire, c'est vraiment faire une ligne. Et on met en hauteur. Bien, bien, et toi? Ben ça va, ça va, ça va. Demain, ça va être dur. Pourquoi est-ce que demain, ça va être dur? Pourquoi est-ce que demain, ça va être dur? On a débloqué l'arc éclair, qui du coup nous demande des lingots d'argent qu'on n'a pas, ce qui n'est pas bien grave. Les lingots d'or, très bien. On a débloqué des choses ici, très bien. On a débloqué ici des choses, très bien. On est d'accord qu'on n'a pas débloqué le plan de la tourelle Tesla, hein, non. On n'a pas débloqué le plan de la tourelle Tesla. Ça aurait été étonnant. Ça aurait été étonnant.
ça aurait été très étonnant. Ici, on va relancer un petit peu. Hop, la recherche. Bon, et après, il y en a un qui est au taf. Hein. Levé tôt et réveillons le soir. Ah. Là, j'aimerais bien qu'ils viennent récupérer les trucs qui traînent. Ça serait fort urbain de leur part. On va devoir mettre des portes un peu. Hein. On va devoir mettre des portes en acier. On va devoir mettre des portes en acier. Je peux en faire une. On va aller loin. On va aller loin. On va aller loin. Voilà, je peux en faire 3. Et il va me manquer des minerais. Et il va me manquer des minerais. Ouais. Bon, déjà, on va refermer tout ça. On va refermer. On va refermer. Ça sera un bon début. Ça sera un bon début. Comment est-ce que je pars sur la défense? Je réfléchis en fait, hein, en même temps. J'essaie de trouver un bon truc. Ce qu'on peut faire, c'est faire un trou. Les ennemis tombent en dessous. Ça peut être un moyen. Les ennemis tombent en dessous. Ça peut être un moyen. En vrai, ça peut être un moyen. Donc je vais venir péter ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser en fait un trou, quoi, tout simplement. On va faire un trou. Et coucou San, j'espère que tu vas bien. Je pense que ça peut être un bon plan. Je pense que ça peut être un bon plan. On fait un énorme trou en fait. Hein. On laisse les ennemis tomber. On fait une fosse et ils vont tomber en fait tout en bas. Boîte de Pandore, boîte de Pandore. Boîte de Pandore. Espérons que ça se passe bien, que ça soit un bonus. Pour une fois. Je le leurquais depuis tout à l'heure. Ok. Bah, j'espère que ça va. Du coup, que tu te portes bien ce matin. Et ici, vous n'y avez pas parce que c'est trop. Vous êtes des nuls. Vous êtes des gros nuls. Je vous le dis, hein, les gars, en toute franchise, hein, vous êtes des gros nuls. C'est pas grave. Mais bon, vous êtes quand même des gros nuls. C'est important de le rappeler de temps en temps. Le mec horrible. Parce que j'étais au tel avec un pote. Avec une pote. Ah, ok. On va venir mettre quand même des défenses ici, on sait jamais. On ne sait jamais. Là, on va venir reconstruire ça. Tac, là on va venir péter tout ça, donc ça je peux l'enlever de toute façon. Là aussi. La boîte de Vendor, du coup, vous en occupez ou vous touchez la... Ah merde, il y a un monstre à côté. Shot. Ah bah oui, forcément tu meurs, tu y vas alors que t'as rien, t'as pas de stuff. Espèce d'abruti. Bon après il reste plus beaucoup de PV, mais... Mais crétin des Andes quoi. Crétin des Andes. Crétin des Andes. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait un monstre à côté. Oups. Qu'est-ce qu'on a eu? Mana reconstitué. Mais ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas plus souvent, ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'on l'a pas plus souvent? C'est vachement bien comme truc. Tu mets des plombs à péter tes blocs, toi. Jean-Jacques, il est si dur que ça à casser le bloc? Quel enfer! Oh, il met tellement de temps à casser le bloc! Oula! Alors que là, tu vois le... Ah ouais, non, on va le faire à la main. Hein. On va le faire à la main. Non, parce que là, c'est beaucoup trop lent. C'est beaucoup trop lent. La drilleuse, elle met des plombes. Vas-y, vas-y. Sens-toi concerné, petit driller. Tu es mon driller, voilà. Jean-Michel Driller. Jean-Michel Driller est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace que la drilleuse. Hein. Oh, elle est tellement lente, quoi. C'est... Bon, d'accord, c'est des blocs de pierre un peu solides, on est d'accord. Mais quand même, faut peut-être pas déconner. Faut peut-être pas déconner. Allez. Allez. Voilà, venez tout péter. Je vais vous mettre un portail. Hein. De toute façon, on a du mana, donc autant en profiter. Autant en profiter. Voilà, tac. Après, tu vas me dire, les nains aussi, ils galèrent. Hein. Billy, il va super vite. Mais les nains, on voit que c'est compliqué. On voit que c'est quand même compliqué. D'ailleurs, bon, on a perdu plein de nains. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On a perdu tellement de nains. On a perdu tellement de nains. On a perdu tellement de nains. Ça me rend triste. Hein.
ça m'a entraîné. On s'est vraiment fait ouvrir, quoi. On s'est fait, mais ouvrir. Ouvrir. Mais en même temps, les géants, c'est vraiment un truc que je déteste. Hein. Ils sont horribles. Ils sont horribles. Les géants, ils te pètent le décor. Ils sont là en mode bas les couilles. Ils rentrent droit dans tes murs. Et puis vraiment, ils te détruisent ta base, en fait. Et je trouve que c'est pas très intéressant. En fait, c'est comme les creepers dans Minecraft. Je trouve que c'est pas très intéressant comme mécanique. Avoir un ennemi qui a comme capacité de faire tout péter, bah, je trouve pas ça drôle, en fait. Surtout quand tu te fais chier à faire des jolies bases. C'est chiant, en fait. Qu'ils cassent les portes pour entrer et te buter, c'est une chose. Qu'ils aillent tout détruire dans ton décor, ça, c'en est une autre. Qu'ils détruisent la base, j'avoue que c'est pas ce qui me convient. C'est pas un truc qui me plaît beaucoup. C'est pas un truc qui me plaît beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, hein, il faut faire avec. Hein. C'est le gameplay, ma pauvre Lucette. Hein. Hop, on vient mettre l'équipement. Hein. C'est tout. Non, c'est parce qu'il manque des nains. Il y a des nains qui n'ont pas encore été ressuscités. C'est pour ça. Voilà, c'est mieux déjà comme stuff. Allez les gars, on se motive. Vous pouvez faire des choses incroyables ensemble. Croyez-moi. Vive les creepers. Ouais. Et ils ne meurent plus avec le jour. Bah non, ils meurent pas avec le jour en plus. Les creepers, c'est vraiment une merde. J'aime pas les creepers dans Minecraft. Pourtant, j'adore Minecraft, hein. Mais les creepers... Enfin, c'est vraiment un mob de merde. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, tac. Là, ça ira plus vite maintenant. Ça ira plus vite. Voilà. C'est bien. Tu vas pouvoir avancer, cocotte. Ah là, c'est bien. Parce que là il était des plombs. Moi aussi, j'aime. J'aime pas. Mais il me faut des objectifs, faut pas que je m'ennuie dedans. Ouais, complètement. Minecraft, c'est trop bien. Mais de toute façon, moi, j'arrive plus à jouer depuis pas mal de temps. Les derniers temps, de toute façon, je ne jouais que à des modpacks. Qui, justement, bah, avaient des objectifs, notamment très précis, assez complets. Et en vrai, sinon, je décroche. Je décroche de ouf. Vraiment, ça me transcende plus, quoi. Ça me transcende plus. On va venir péter les blocs. Hop. Ah putain, et toi, tu viens m'emmerder. Cassez-moi le mur, là. Cassez-moi ce mur, s'il vous plaît. Allez. Merci. Puis venez poser ça à la place. Voilà. On va venir péter tout ça. On va faire un joli petit trou. Voilà, puis vous venez péter ça aussi. Allez, hein, on casse tout. Hein. On casse tout. En vrai, d'ailleurs, je vais prendre le contrôle d'un nain. Ah bah... Billy, sélectionnez le nain. Non, sélectionnez le nain. Contrôle. Je l'ai vu et je me suis dit, tiens, il va tomber. Lui, il va tomber. Non, tu veux pas péter ça? Bon, tant pis. Tu ne le casseras pas. Hop là. Voilà. J'ai vu le crapaud aussi. Et je l'ai vu partir très loin. Voilà, très bien. Parfait. Jean-Michel, tu peux bouger. Jean-Michel. Jean-Michel en a rien à foutre. Jean-Michel en a rien à péter. Je sens qu'il en a rien à péter. Allez, vous venez mettre un mur. Construire un mur, s'il vous plaît. Vraiment, vous pouvez le faire, je vous jure. Hein. C'est possible. C'est possible. Voilà, merci. Vous venez construire un mur. Hein. Tac. D'ailleurs, on a dit un mur plein. Un mur plein. Est-ce que vous comprenez le principe de mur plein? Voilà. Parfait. Puis vous venez construire un mur. Et comme ça, là, les ennemis, ils pourront que tomber. Ils arrêteront de nous les briser, du coup. En toute logique. En toute logique. Mais non, mais il y a un arbre qui a poussé ici. Mais t'es sérieux, Artemis Artemis, elle est tellement relou à cause de ça. En vrai, c'est bien de faire pousser des arbres, hein, mais... voilà, hein. Bon. Bon. Il y a plein de trucs qui traînent au sol, partout. Mur de la maison détruite. Non, mais c'est bon, je les ai réparés. Et là, il y a des plantes à la con. Ouais, ben merde. Hein. Voilà. Comme on dit, merde.
Là, vous venez péter ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Des bottes en fer. Très bien, ça fait une belle jambe. Reprenons. Toi, tu seras armé d'une massue. Voilà. Une très belle massue de grande qualité. À n'en pas douter. Et t'auras un anneau de compétence. Voilà. Ça, c'est beau. Et puis, bah, toi, voilà. Hop, hop. Et puis, une massue. Et puis, c'est magnifique. Voilà, tout le monde a été rééquipé. Tout le monde est revenu à la vie. C'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, là, notre faiblesse, ça va être ici. Hein. Notre faiblesse, ça va être ici. Ah, putain, les murs sont pétés. Ils considèrent que les murs sont pétés parce que, effectivement, j'y ai pas pensé. Là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. J'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Là, je vais enlever ça. Je vais du coup faire un truc à la con. Je vais mettre une trappe. Et j'ai pas de minerai. J'ai pas de minerai de fer. Je n'ai pas de minerai de fer. Et il y a encore Thémis qui a fait spawn des arbres. Génial. Génial. Ouais. Ouais. Ah, ils ont pété la table aussi. Oh, mais quelle bande de relous. Ils ont pété ma table. Oh, quel enfer. Ils cassent tout, hein. Ces mobs de merde, là. Putain. Bon, voyons voir, est-ce qu'il y a des trucs que je peux décraft? Genre ça, voilà, ça, ça, est-ce qu'il y a autre chose? Pas spécialement, quoique peut-être par ici, ça je peux le décraft? Non, hein, ça me semble étonnant aussi, ça non plus, ça me semble étonnant aussi. Oh, après j'ai une trappe en bois, écoutez. On s'en tape un peu les reins, l'idée c'est juste de poser un truc qui fait que c'est fermé. On va poser une trappe en bois. On va poser une trappe en bois ici, et on va normalement refermer l'abri. Normalement ça sera considéré comme abri refermé. Hop. Et on va continuer par ici à descendre tout ça. Hop, 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 hop. Voilà, je vais venir mettre des choses par ici. Il y a un arbre qui a poussé. Il y a un putain d'arbre qui a poussé. C'est... Ça me rend fou. Artemis, elle est vraiment relou à faire pousser ces putains d'arbres. Elle est vraiment, vraiment relou à faire pousser ces putains d'arbres. Voilà, la maison est terminée, c'est génial. La santé basse, ouais, ouais, c'est ça. Ensuite, il y a un truc que j'ai récupéré. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Des bottes en mithril. Ah bon? Ah bon? Bah d'accord, hein. Moi je prends, hein. Bottes en mithril, il n'y a aucun problème. Hein. Je prends, hein. C'est fort aimable. C'est fort fort aimable, merci. Ah franchement, rien à dire, hein. Bottes en mithril, aucun problème. On a plein de lits aussi, tiens. Je vais péter un peu tout ça, là. Tout ça, on n'en a pas besoin. C'est des trucs qu'on a récupéré un peu dans tous les sens. Je vous avoue que c'est un peu aux F. C'est un peu aux F. Ça, je peux le casser? Non, hein. Ça aurait semblé étonnant aussi. Ça non plus. Ça, je peux. Ok. Et les guirlandes? Non, je ne peux pas. Dommage. Le tonneau, je peux. Le fleur en pot, je peux. Une maison de chat chouette. Peut-être. Bonhomme des neiges, je ne peux pas. Bonhomme des neiges, je ne peux pas. Ça m'aurait semblé étonnant aussi. Hein. Ça m'aurait semblé étonnant aussi. Je peux faire de la confiture, tiens. Ah. Faudrait que je m'occupe un peu de l'agriculture à un moment donné. Faudrait que je m'occupe un peu de l'agriculture à un moment donné. J'ai pas fait mes tables. J'ai pas demandé à quelqu'un de faire une grande table. Si, mais elle doit être en train d'être déposée. Elle doit être en train d'être déposée. J'ai des tâches, hein. Technologie, réparer le portail. Réparer le portail, ça me rapporte des pièces? Pardon? Ah oui, fois 30? Ah! Ah! X30! X30!
30 pièces d'or, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, 30 pièces d'or. On va peut-être vouloir aller récupérer des pièces d'or. Hein. On va peut-être vouloir aller affronter les boss. Ouais, mais les boss, ils sont vénères. C'est le problème, c'est que les boss, ils sont très vénères. Bon, on va déjà remplacer ici. Tu as des jolies bottes en mitril qui sont bien plus intéressantes. Ah oui, 18. Oui, 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 c'est pas mal. Bon, ça, du coup, ça marche. Hein. C'est plutôt pas mal. Je suis content. Je suis plutôt content. On va continuer à faire notre petite fosse. Hein. On va continuer à faire notre petite fosse. L'idée, c'est qu'il tombe un peu dans les profondeurs infinies. Et que du coup, il nous foutent la paix. Concrètement, hein, que du coup, il nous foutent la paix. Je suis pas sûr que ça marche si bien que ça, mais bon. On verra si c'était une mauvaise idée ou pas. Ok, tout ça, c'est pas mal. Faudrait peut-être que j'arrête la VOD aussi, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Du coup, petite fougère de YouTube, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. C'est un peu le zbeul, on est dans la merde. On avait réussi à renverser la vapeur, on était plutôt bien, on était sur une bonne dynamique. Et en fait, là c'est un peu fini ça. C'est un peu grave fini. On n'est plus du tout sur une bonne dynamique, on est sur une dynamique de bordel de merde, on se fait bouffer. Concrètement, les géants, c'est vraiment une horreur. On commence à avoir plusieurs portails, donc du coup, on commence à avoir beaucoup d'unités ennemies qui spawnent, et ça pose problème, hein, ça pose problème très rapidement. Parce que bah, plein d'unités, et bah, ça veut dire que ça prend du temps à les buter, et potentiellement, ils butent pas forcément les unités les plus dangereuses. Les géants, c'est vraiment une horreur, parce qu'ils détruisent le décor, et je trouve ça horrible, vraiment. Faites pas ça, c'est pas bien. Mais pour le coup, c'est vrai que ça nous pose problème. Du coup, on va venir, voilà, réduire un petit peu la fosse. Je pense que là, c'est pas trop mal. C'est pas si mal que ça. Ça fait une jolie fosse dans laquelle tombent les ennemis et ça va nous foutre un peu la paix. Et du coup, je pense qu'on va peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on va faire notre base. Et on va peut-être essayer de faire une espèce d'île volante. On va peut-être essayer de faire une espèce d'île volante. Je sais pas encore. Je sais pas encore, je réfléchis, mais je me dis qu'une petite base volante, pourquoi pas. Ou sinon, un autre truc qu'on peut faire, c'est partir sur un côté. C'est partir sur un côté, c'est-à-dire qu'en fait, on ne laisse que le strict minimum ici. Vraiment le strict minimum, genre l'ascenseur qui permet de descendre. Et puis, en fait, on part faire une base ici, de ce côté-là. En fait, on se fait une base de ce côté-là. Un truc un peu vénère et on n'a du coup qu'à défendre un seul côté. Stratégiquement parlant, c'est plutôt pas con. Hein, on va pas se mentir que avoir à défendre un seul côté et pas être au centre à se faire attaquer des deux côtés, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc peut-être qu'on va faire ça. Peut-être qu'on va faire ça. En tout cas, petite fougère de YouTube, c'est fini pour aujourd'hui. Je te dis des petits bisous et puis à bientôt.